La carine, donc ils ont accepté des étrangers. Ils ont pris les Polonais et les Belges. Ouais, les, Belges. Et les Polonais, les Belges, les Hollandais. Et, ouais, il y avait... et la troupe X. Ouais, c'était... qui a été très importante, la troupe X. Parce que la troupe X, c'était beaucoup des Juifs allemands, des machins. Ouais, c'est ça, il y avait les Allemands aussi. Là. Et c'était intéressant parce que pour les services de renseignement, on avait la langue, il y avait tous les... Mais les Polonais, ils ont débarqué en même temps que vous ou Les Polonais ont fait leur boulot dans notre sens. Et après, ils sont remontés sur le Nord. Et attention, parce que les Polonais, ils ont fait l'Italie, hein. Oui. Cassino. Oui. Hein. Moi j'étais même étonné parce qu'il y a même des Brésiliens. Voilà, les Brésiliens ont monté le casino. J'avais beaucoup, hein, c'est comme les Norvégiens, on fait, vous avez entendu le partage, la bataille de Lourdes. Oui. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Oui, mais ça c'était Narvik. Ah ben non, Narvik. C'était avant. Non, Narvik, alors ça c'est, on était encore à Narvik, on était encore français. Oui, 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 effectivement. Narvik, parce que moi à cette époque-là j'étais à la marine et j'ai vu les chasseurs alpins et les légionnaires qui allaient sur Narvik. Hein, parce qu'ils partaient de Brest, beaucoup de Brest. Et sur la marine, je sortais de l'école des mousses, moi. Ouais. Ben oui, j'étais sur l'Armorique. Vous aviez 16 ans, 17 ans, non ? J'avais 16 ans. D'ailleurs, quand ils sont revenus de Narvik, ils sont revenus sur la Bretagne, d'ailleurs. Si ? Alors, oui, mais là, je veux pas certifier, moi. Je ne sais pas. Si, La seule chose que j'ai vue, c'est quand ils embarquaient. Ils embarquaient même des mules, je crois. Oui, oui, effectivement. Je me rappelle à peu près. Hein. Ils embarquaient du côté, dans le vent, où il y a l'école navale. Mais ils sont revenus en Bretagne. Ah, mais je savais pas. Ils devaient bloquer l'armée allemande, mais à un moment donné. Je ne savais pas parce qu'après, moi, je suis arrivé avec le Courbet, auquel Léon Gauthier était dessus aussi. Hein. Mais lui, il était déjà breveté, comme moi, je n'étais rien vu. C'est le général Saint-Hilier. Parce que nous, pour faire la radio, il fallait 6 mois. Ah ouais. Qu'eux, ils étaient quoi, canonniers. Ils étaient canonniers. Canonniers, donc combien de fallait, je ne sais pas. Même. Parce que ceux qui ont fait Narvik, là, qui étaient comme le général Saint-Hilier, il était dans les chasseurs alpins. Ouais, ouais, et après, il s'est retrouvé à la première DFL. Ouais, ouais. Dans les légionnaires. C'est comme là, nous, avec par exemple Léon pouvait en parler. Nous, quand on est arrivé à Portsmouth avec le Courbet, le matin, je ne sais pas quelle heure le matin, je crois que c'est à 4h du matin, ils nous ont pris baguette au canon en dessous de bois de ligne. Il fallait qu'on dégage. Ah oui, oui. Et puis ils nous ont filé dans un camp dans le nord de l'Angleterre on va savoir le nom de ça. Cavan Common, non, c'est plus Cavan Common, c'est à Londres ça. Oh, et Dog Park, voilà, je crois. Hein, ça me revient d'un seul coup. Là, on s'est échappé, là, non, c'est... Parce que si on était pris, on était, soi-disant, fusillés. Mais, et pour quelle raison? Eh ben, parce qu'on quittait justement la Marine nationale, on abandonnait la Marine nationale. Ah oui. Ouais, pendant des lustres, les commandos français, oui. Pendant des lustres, ils n'ont pas été reconnus non, en France. Non, effectivement. Ils ont été assimilés à des déserteurs. Oui. Pendant longtemps. Hein. On était déserteurs. Ouais. On était déserteurs. Ouais, je dis assimilés. Ouais. Oui, on était déserteurs. Hein. Et là, c'est comme ça que j'ai rejoint la France libre. Je ne connaissais pas De Gaulle, je n'avais jamais entendu parler de lui. Hein. Je suis parti à cause des gars. Et là. Ouais, tu n'as pas entendu l'appel du 18 juin? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. La seule chose que je peux prouver que j'étais dans un camp, c'est que j'ai une photo avec mes copains. Mes copains étaient beaucoup plus vieux que moi, eux. Et qu'on était sous une tente dans un camp. C'est de celle-là que je me suis échappé. Et Léon a dû faire pareil. Il faut lui demander, il a dû faire pareil. Ah, oui. Mais lui, il est né d'Afrique, non? Ah non, c'est autre chose. Non, 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 attendez, non, non, alors on revient sur la chose. Ouais. Comme il s'est échappé, il a rejoint la France libre. Ouais. On est tous revenus. Bon, on m'a mis à Londres. Je n'ai pas été longtemps, juste passé à Londres, là où j'ai vu l'amiral Muselier. Et aller sur le Courbet. Et du Courbet, j'ai embarqué sur l'un des flots. Non, pas tout à fait, j'avais été embarqué sur un bateau, mais il n'a jamais marché. Et puis on m'a remis sur la reine des flots. Et tandis que Léon, pas pareil. Du Courbet, ils sont partis avec Luffy, commandant Luffy, tout ça, ils sont partis, ils ont fait l'Afrique. Voilà. Pas pareil. Comme d'autres ont embarqué sur le Savoyard de Braza, sur les sous-marins, sur le. C'était. Bon, moi, je suis tombé sur le chalutier. Le plus beau bateau de la France libre. On lui avait donné un nom d'ailleurs, c'est la Reine des Flots, mais on lui avait donné un surnom.
T'as entendu de ça? Non. Ben, on l'appelait la pute. Avant. Ah, j'en ai entendu parler. Oui, on l'appelait la pute. Oui. Il attend, il a faim, lui. Hein. Ah oui. Ben c'est pour là qu'on va voir son petit Ricard. Hein. Allez, voilà. Allez, on verra. Ouais. Non, vous voyez, on a tous eu un, pas la même chose. Ouais, c'est, chacun a eu un parcours atypique. Son petit truc, un parcours différent. Il y en a qui sont passés par l'Espagne, il y en a qui sont passés par la Grèce. Parce qu'en fin de compte, chacun a un parcours. Les forces navales françaises, elles viennent d'être Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Tout ça pour aller faire. Ah, c'est, non, c'est, attention, non, ça s'est venu beaucoup après. Une autre histoire. Faites une autre histoire. Ah, écoute, ça vient de ce chef. Alors maintenant, vous savez très bien qu'avec l'amiral Muselier, la Croix de Lorraine, c'est l'amiral Muselier. Oui, je sais. Bon, c'était toute l'histoire d'ailleurs. Parce que quand on réfléchit bien, si vous voyez le général de Gaulle, il n'a pas la Croix de Lorraine sur son insigne. Non. Et donc le pavillon de Beaupré est resté à la Croix de Lorraine parce qu'il voulait, l'amiral Muselier voulait différencier celle de Pétain, enfin celle de l'amiral Darlan, pardon, oui. Hein, qui était la combattante. Non, la Francine, l'insigne qu'il avait. C'était pas la France combattante en tout cas. Ah non, mais non. C'est, oui. Voilà, et donc c'est pour ça que le pavillon de Beaupré, on avait la Croix de Lorraine, nous autres. Maintenant, vous voulez parler sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est là justement que Muselier a été évincé par De Gaulle. Il a pu être amiral de la France. À cause que vous savez très bien que les Américains auraient bien voulu avoir Saint-Pierre et Miquelon. Voilà. Oui, ça a commencé en Noël 40, un petit peu à Noël 40. Bon, ouais, bon. Oui, pardon. Non, 41. Et c'est là que pour Muselier, ils l'ont évincé. C'est comme à un moment, les Américains ne voulaient plus de Gaulle, ils voulaient que ce soit Giraud. Oui. De toute façon, c'était. Et vous avez qu'à regarder au débarquement. Au débarquement, on a évincé Montgomery et comment Churchill. Qu'est-ce qu'on a mis? Roosevelt, Eisenhower. Oui, l'Américain. Et quand vous allez par chez moi, à Malo, c'est les champions, c'est les meilleurs, c'est eux qui ont libéré tout le monde. Ouais, parce que... Voilà. Ah, parce que c'était déjà des affaiblissements politiques. Parce que s'il n'y avait pas eu vraiment, parce que c'est pas pour adorer les Anglais. Quand on regarde un peu l'histoire. Ah, ouais. Mais s'il n'y avait pas eu l'Angleterre, peut-être aujourd'hui on parlera de l'Angleterre. Exactement. Churchill, s'il n'avait pas été là, c'est lui qui a réussi à prendre tout le monde. Et grâce qu'il a vu que, justement, Hitler a fait la même connerie que Napoléon. Et chez les Russes, là-bas. Deux fronts à la fois. Le général Hiver, là-haut. Ah, parce qu'il n'y aurait qu'un seul front. Là, ça aurait senti mauvais. Adolphe, pourtant, il a pas réfléchi, là. Non, parce que là, il a... Heureusement, et j'aurais été fusillé. Il y a pas mal de gars, hein, on a vu. Pas mal de gars qui font partie, hein, comme ça. Hein. Enfin, c'est comme ça, la vie. Alors, on a comme la chance, on peut boire quand même un petit coup. C'est pour ça que le général de Gaulle, il s'est toujours mis à côté de Churchill. Hein. Ah oui. Parce qu'il savait qu'il pouvait avoir. Il y a un moment, Churchill aussi, il a voulu écouter un peu trop aussi Roosevelt. Hein, à un moment donné. Hein. Ouais. Enfin, voilà le truc, le coup de la Croix de Lorraine, ça, c'est une machine parce que c'est vraiment la marine et l'aéronaval. Hein. C'est qu'à regarder les deux insignes. Oui, c'est exact. Il y a la Croix de Lorraine. Et le premier pavillon de Croix de Lorraine, le premier pavillon de Beaupré qu'on a eu à bord du Courbet, il n'était pas fait comme il est en ce moment, comme je vois bien. Dans le blanc, la Croix de Lorraine rouge, avec chaque côté. Le losange blanc. Il a été tout bleu avec la Croix de Lorraine rouge en milieu. Ah, d'accord. Ça, c'était le premier pavillon de Beaupré. Tes premiers commandos. Hein? Tes premiers commandos. Le premier badge commando. Mais c'était le 2, oui, parce que c'était pas fait comme ça. Ouais. Ben, vous l'avez vu, vous avez été au musée. Il y a le mien là-bas. Ah ouais. J'ai pas fait gaffe parce que. Il y a que lui qui les a. Ah ouais. Les autres, ils ont fait. Il y a chez vous, au Ricard. Nous, on a le même. C'est la mire.